Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article un peu spécial, c'est le verre trempé. Le verre trempé, ça permet de protéger son écran d'appareil photo. Donc moi, je vais le positionner sur le Fujifilm X-T4. Donc, c'est parti. Alors voilà, donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un verre trempé, donc qui est compatible avec le X100V, donc X105, et le X-T4. Voilà. Du coup, je vais l'ouvrir. Hop. Alors, à l'intérieur, je vais découvrir en même temps que vous ce qu'on a. Donc, on a, je pense que c'est pour les nettoyages. Ouais, c'est ça. On a le verre trempé. Hop. Donc le verre trempé, donc c'est bien du verre, il est bien épais. Allez hop. Bon après on n'a rien d'autre, hein. Il n'y a qu'un verre trempé dans celui-ci. JGC. Donc Fujifilm. Alors Fujifilm X-T4. Donc du coup, hop. Je vais coller ça sur l'écran. Alors, je vais baisser un peu peut-être là, pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Alors, là, on va nettoyer ça. Ça. Tac. Donc là, ce qu'on a, c'est le nettoyage, un petit autocollant pour décoller la poussière au cas où, le nettoyage pour nettoyer l'écran et pour le sécher. Tac. C'est parti. Hop. Donc moi je nettoie l'écran. Parfaitement l'écran. Voilà, je vais le faire en direct avec vous. J'aime bien prendre mon temps moi pour le poser. Qu'il n'y a pas une seule poussière quoi. Je vais le sécher. Ce qui est bien, c'est que c'est électrostatique quoi. Donc du coup, il n'y a pas de poussière normalement qui vient dessus. Ensuite, donc moi, je décolle ça. Et hop, je le positionne. Parfait. Et voilà, là c'est positionné. Tac. Après, j'étale la bulle. Bon, après, il reste toujours des fois une petite poussière. Mais bon. Ça me semble impeccable. Là, c'est parfaitement positionné. Et voilà.
Voilà, il est posé, impec, et ça protège mon écran. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc du coup, elle est posée, le verre trempé est posé sur le Fujifilm X-T4. Je l'ai juste repositionné un petit peu, j'ai enlevé 2 grains de poussière avec l'autocollant en fait. Mais voilà, c'est juste repositionné un petit peu, c'est vrai que c'est un peu... Je suis un peu maniaque des fois. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage pour la suite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater le nouveau contenu qui arrive. À bientôt!